Bienvenue à toutes et à tous, Boketov les Koulam. C'est un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager. On commence dans quelques instants notre Tania du jour. Tidi dam bam bam bam, didi dam bam bam bam, badadam bam bam bam, badam bam 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 bam. Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer tout de suite. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à partager. On va développer ensemble le Tania du jour. On fera un petit rappel sur le Tania de Shabbat. Oui, puisque Shabbat, nous n'étions pas ensemble. Enfin, on était ensemble, mais pas, voilà, pas en live, hein, voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, c'est parti. Alors, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Aujourd'hui, on démarre une semaine qu'Akadosh Baruch Hu nous offre sur cette terre-là. Donc, il faut en profiter au maximum de chaque instant sur cette terre et essayer de sublimer, de sanctifier et de faire en sorte que cet instant-là soit le plus beau possible. Donc, vous savez que le Zohar nous le dit, un tzadik qui remonte chez Akadosh Baruch Hu, lui a beaucoup plus de pouvoir lorsqu'il remonte chez Akadosh Baruch Hu parce qu'en fait, il laisse plus de place ici à toutes ses actions, à tous ses mérites. Puisque tous ses mérites ne sont plus limités par ce qu'il il a de corporel, de physique, de matériel, de toutes ces limites-là, matérielles, qui peuvent bloquer, créer comme une chape qui va bloquer l'intensité de sa lumière et de son influence
et de ses bénédictions sur terre. Et donc, lorsque Kadosh Baruch Hu appelle cette neshama là de ce grand juste vers lui, eh bien, il le libère de tout cela. C'est ce que le Zohar nous le dit, nous le précise. À travers chaque instant de notre existence, on peut le percevoir. C'est ce que le Zohar nous le dit précisément, c'est la raison pour laquelle on doit absolument « ayom la asotam ». Chaque instant de notre existence, chaque instant compte et il faut agir maintenant. Parce qu'après, nous n'avons plus les limites matérielles qui nous empêchent parfois d'avoir une vie spirituelle aboutie, épanouie, de sainteté. Oui, on est happé par la vie, par tout ce qu'il peut y avoir dans cette vie-là, dans laquelle nous vivons, dans ce monde matériel. Mais il faut profiter de cet instant-là. Pourquoi ? Ben pour essayer au maximum d'avancer et de construire, de bâtir quelque chose. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à partager et à commenter et à nous souhaiter des bonnes choses. Dites Shavu Atov, participez, dites-le nous. Je vous rappelle que ces chiourds-là et donc pour la refouah shelema, la guérison totale et complète de Tinoc, un petit nourrisson. Il faut que Kadosh Baruch Hu lui envoie une refouah shelema, il faut un miracle. Dites Amen, écrivez Amen, que ce soit maintenant en live, en direct ou bien en différé quand vous allez revoir ce cours-là. Je vous rappelle qu'ils sont en replay sur cette page-là, sur ces pages-là, sur ces réseaux, mais également sur YouTube. Vous pouvez passer, vous avez toute la liste hein, de tous les cours Bezrat Hashem. Alors, pour la refouah shelema de Tinoc ben Yehosheva Ariela, qu'Hachem lui envoie une refouah shelema, une guérison totale et complète, ainsi qu'une guérison totale et complète à toutes les personnes qui en ont besoin, et bien sûr, la Géoula, la véritable délivrance totale, maintenant. Ayom la Asotam. Il est dit comme ça, hein, dans le Chumash Devarim, dans la Sidra Va et Hanan, Ayom la Asotam. C'est aujourd'hui que vous devez agir. Pas demain, pas après-demain, pas dans le monde futur. C'est dans ce monde-là matériel, dans ce monde-là. Dans ce monde, on a du mal à comprendre. Amen ve amen. Dans ce monde-là, on a du mal à comprendre ce qui nous arrive. Comprendre quel est l'impact et l'influence de nos actes, de nos actions, de nos pensées, de nos paroles. Comprendre ce que nous avons à faire sur cette terre-là. Et plus l'obscurité s'installe sur cette terre dans laquelle nous vivons, et moins on arrive à comprendre. Et là, il y a un texte qui, lui, ne bouge jamais, qui traverse les siècles, qui traverse les années, et qui traverse chaque mois et chaque jour de notre existence. Ayom la asotam. Bonjour, bonjour. Ayom la asotam, ça veut dire c'est aujourd'hui que tu dois faire. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année d'après, pas lorsque tu grandiras, pas lorsque tu seras marié, pas lorsque tu seras grand-père. Non, maintenant, maintenant, parce que c'est cet instant-là qui compte précisément pour Dieu. Donc cet instant, tu dois lui donner toute sa force, toute son intensité, tu dois le sublimer au maximum. Ayom la asotam. Dans ce monde-là, précisément. A priori, on peut comprendre que le tzaddik, lorsqu'il est près de Dieu, a une aura, a une présence, a une influence dans les mondes supérieurs. Comment expliquer que dans ce monde matériel, lorsqu'il remonte chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, lui a une influence sur notre existence à nous, une existence qui est a priori limitée. Comment se fait-il de dire que dans ce monde-là matériel, il est encore plus présent que pendant sa vie? Le Admor HaZaken nous le dit ici, nous dit parce qu'en fait, en réalité, dans ce monde-là, le monde de l'action, c'est appelé le monde de l'action parce qu'en fait, il provient de ce que l'on appelle le monde de Asiya. Qu'est-ce que c'est le monde d'Asiya? Il y a différents mondes. Et dans chacun de ces mondes, il y a une influence, il y a une présence divine, il y a une volonté divine. Et dans chacun de ces mondes-là, il y a des forces et une fonction. Le monde de la Asiya, c'est le monde du Maasé, comme son nom l'indique, c'est l'action. Parfois, on est là, on se pose des questions, on réfléchit, on analyse, on prend du recul, c'est très important. Mais on doit savoir toujours une chose, qu'en fin de compte, à la fin, au bout de quelques minutes de réflexion, au bout de quelques heures de notre vie, on doit toujours se demander, est-ce que j'ai réussi à traduire cela par une action? Si ça reste dans une théorie, si ça reste dans un principe philosophique, intellectuel, c'est que je suis à côté de la plaque. Parce qu'un juif, un homme sur terre d'ailleurs, peu importe qui il soit, son but à lui sur cette terre-là, c'est d'agir. On est là pour agir. On est là dans l'action, parce qu'on est dans un monde d'action. Dès l'instant où on veut sortir de ce programme-là, quelque part, de cette fonction-là, eh bien on se trompe complètement. On n'est pas du tout dans le vrai. Et c'est là où les problèmes arrivent, parce qu'on perd cette notion-là de l'action et de la concrétisation par l'acte. Parce que la fonction de ce monde, je le répète, c'est d'agir, de bâtir. La Gemara nous dit que aujourd'hui, à Yom la Asotam, aujourd'hui nous faisons, nous accomplissons, ou les Machar, les Kabel Sraram.
Et pour demain, et demain ce sera quoi? Pour recevoir le sahar de Dieu. Le sahar, c'est-à-dire le salaire de ce que l'on mérite dans le monde futur. Dans le monde futur. Maintenant, toutes les manières, il faut savoir une chose, c'est que ce monde-là, qui est le monde de l'action-là, ce tzaddik-là va se trouver de manière beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ces élèves-là, à qui il a enseigné, à qui il a donné, il a transmis toutes ses influences, par cette influence-là, il leur a donné la possibilité, dans cette intention-là, que dans ce monde d'action, mais non seulement dans son monde à lui de l'action, mais également dans leur monde d'action, puisque leurs actions dépendent de son influence sur Terre, il va y avoir donc une continuité à travers chaque action. Lorsqu'un papa, lorsqu'un homme, lorsqu'une personne, lorsqu'une maman enseigne à son enfant ou à un ami, ça peut être un enfant matériel ou un enfant spirituel, et lui apprend, lui enseigne, et lui dit, tu sais, ce serait comme ça, peut-être que tu ferais plus un petit peu, tu aurais plus de chances d'accomplir la volonté de Dieu, de réaliser ce que tu as à faire sur Terre, de réaliser ta mission, de donner de la valeur à ton existence. Fais telle ou telle mitzvah, dis telle ou telle prière, telle ou telle tefila. Agis de cette façon, parle un peu moins, parle un peu plus. Et de cette façon-là, en fait, ça devient son élève, son enfant spirituel. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui donne la possibilité à cet existant, c'est-à-dire à ce transmetteur, il lui donne la possibilité d'avoir un impact, une influence, et de prendre quelque chose d'infini et de donner quelque chose d'infini, de créer de l'infini. Comment est-ce qu'il crée quelque chose d'infini ? Ben c'est assez simple. Lorsque l'on fait une mitzvah, une action, une bonne action, on laisse une trace. Cette mitzvah-là, si on l'enseigne à une personne et qu'à chaque fois, cette personne-là, elle va accomplir cette mitzvah, ou bien elle va dire ses mots de Torah, ou bien elle va dire ses mots de prière de Tefila, elle aura été influencée parce que nous l'avons influencée à dire tel ou tel mot. Et donc, à chaque fois qu'il prononcera ces mots, ou bien à chaque fois qu'il fera telle ou telle mitzvah, cet enfant-là, ou cet enfant spirituel, je répète, ou cet élève spirituel, eh bien, ce sera une façon de faire exister quelque part notre acte, le premier acte, la première influence. Et donc cet acte-là, il est infini. Pourquoi? Parce qu'il touche quoi? Il touche une mitzvah. Et la mitzvah, c'est quoi? C'est un commandement de Dieu. Et lorsqu'on agit et qu'on accomplit le commandement de Dieu, on est en train de faire vivre Dieu quelque part. Et puisque Dieu est infini et que ses actes et ses commandements sont infinis, donc à chaque fois qu'on est en contact avec l'infini, on crée, on inscrit, on laisse une trace dans l'infini. Même cette phrase-là a du mal à être prononcée. Laisser une trace dans l'infini, c'est un pléonasme, je dirais même, ouais. Mais on ne va pas trop plonger dans ça, trop rentrer dans ça. Oui, mais parce que si on laisse une trace, c'est quelque part c'est infini. Oui, parce que c'est infini, parce que c'est Dieu. L'action. Plus il est grandi, plus l'action est aboutie, plus elle est transmise par les élèves des élèves, et plus cette action-là va prendre ce côté éternel, va grandir et encore. Et donc c'est une lumière infinie qui va s'installer sur cette terre-là. Il dit comme ça dans le texte, « Or zaroua la tzaddik », c'est une lumière qui est semée pour le tzaddik. Parce que quand on sème de la lumière, on récolte que de la lumière. On ne peut pas récolter l'inverse. La lumière, ça appelle la lumière. Basadé Asher Bechou Hashem, dans cet état-là, ce qu'on appelle le Gan Eden, en réalité, dans ce champ-là, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Baruch Haba, mon ami Bernard, bienvenue à vous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Chazak à chacun. L'action qui grandit, qui fait grandir et qui fait exister, qui rend ce contact avec Dieu infini. Nous aussi, ici-bas, dans notre vie, dans tous nos chemins, dans tout ce que l'on entreprend, eh bien, on peut rendre cette route-là, ce chemin, cette vie-là que nous vivons, quelque chose de saint, de pur, de kadosh, qui va éclairer non seulement la terre d'Israël, mais également les terres qui sont extérieures à la terre d'Israël, celles où nous pouvons vivre, chacun en fonction de l'endroit où il habite, et qu'il est censé, lui, transformer en rendant cela une terre d'Israël, puisqu'une terre kadosha, une terre sainte. Bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à commenter et à partager. Bien sûr, à liker, c'est important aussi. À chaque fois qu'on est au contact d'un élément matériel qui est censé avoir une influence spirituelle, à chaque fois qu'on a une mitzvah, un commandement positif ou bien le respect d'un commandement négatif, qui est en contact avec un élément matériel, donc on crée cette jonction, cette union entre le matériel et le spirituel, entre l'impur et le pur, entre ce qui est l'inverse de la sainteté et la sainteté, on fait ce travail de transformation et d'élévation et de sanctification. À ce moment précis, on est en contact avec ce qu'on appelle
ces notions-là qui viennent du ciel, ces choses-là du ciel. Les élèves qui vont enseigner, qui vont recevoir de ce juste-là, de ce tzaddik, ensuite, quand il va remonter chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, l'influence de ce qu'il va leur donner sera encore beaucoup plus présente. Et on peut l'imaginer aussi, l'influence de ce qu'ils vont recevoir aussi matériellement, c'est-à-dire dans les bénédictions que l'on reçoit. Parce qu'un tzaddik fait une bénédiction, qu'il est sur cette terre-là et qu'il bénit une personne, qu'il le bénit pour qu'il ait des enfants, qu'il ait une bonne famille sereine, qu'il ait la paix dans le foyer, qu'il ait des enfants, qu'il ait de la richesse, une bonne parnassa. Il faut savoir que quand il monte et qu'il quitte ce monde-là matériel, ces bénédictions-là, elles sont encore beaucoup plus intenses, beaucoup plus grandes. Donc non seulement l'enseignement est présent, mais le Admor HaZaken ici nous rajoute un élément, il nous dit, sachez que, également, il y a autre chose, c'est les bénédictions qu'il donne. Les bénédictions aussi sont infinies, elles aussi, elles prennent une dimension qui est très très grande et qui est puissante. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Quelque chose qu'on fasse, qu'en fait, les bénédictions qu'Hachem nous a données, et que les bénédictions que les tzadikim nous ont données à travers les générations, puissent être toujours, toujours, toujours présentes, puissent illuminer et inonder notre existence. Et on rappelle que ces bénédictions-là, que les tzadikim ont pu donner à ce Tinok ben Yosheva Ariela, ainsi que le mérite de ses parents et de ses grands-parents qui puissent être présents pour le sauver de cette condition-là et apporter un peu de tranquillité à ses parents et de la joie. Ben oui, la tranquillité. Lorsqu'il y a cette bénédiction qui vient et qui n'est plus limitée par la présence de cette chape-là matérielle physique qui bloque un petit peu tout et qui empêche cette bracha, cette bénédiction de rayonner, d'être présente, il faut faire un effort personnel. Il faut aller chercher en fait, en réalité, cette bénédiction et cette présence divine. Le Zohar HaKadosh, le Saint Zohar nous le dit, que les tzadikim protègent ce monde-là. Vous allez me dire, mais il y a Dieu, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin des tzadikim? La différence, c'est que le tzadik, quand il a été créé par Dieu et qu'il est descendu sur cette terre matérielle, il a consacré, il a sanctifié, il a donné sa vie pour créer cette jonction entre le matériel et le spirituel, entre le divin et ce qu'il est partout, mais c'est-à-dire tout ce qui a une apparence qui ne serait pas de la sainteté. Il a travaillé dur sur cette terre-là. Il a mis de côté ses plaisirs personnels, il a donné sa vie pour les principes qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui a donné dans la Torah. Donc quand il monte chez Akadosh Baruch Hu, il a quand même comme une petite carte devant Dieu, il lui dit, voilà, regarde, moi j'ai été sur terre, j'étais là-bas, sur terre, j'ai pris la forme physique que tu as décidé de donner aux êtres, aux créatures. Et avec cette forme physique, avec ce fond-là que tu m'as donné, cette forme que tu m'as donnée, j'ai créé cette jonction que tu attendais de moi. J'ai sanctifié ce monde, j'ai sanctifié la vie. Et donc, j'ai comme même qui pourrait ne pas avoir été créé, ou même un homme qui ne serait pas descendu sur terre. Et donc, je peux me permettre, moi, encore plus qu'une neshama qui serait restée auprès de toi, une âme qui serait restée près de ton siège et qui n'aurait jamais fait aucun effort, puisqu'elle n'aurait jamais été un peu comme un ange, en confrontation avec ce matériel. Bienvenue mon ami Shalom, que Dieu te bénisse. Continue à partager, je compte sur toi, et à liker, et à commenter. Je compte sur toi. C'est un plaisir de te voir ce matin. Ce tzaddik, lui, en réalité, il protège donc. Bien sûr que Dieu nous protège, mais les tzaddikim nous protègent, parce qu'eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur terre. Donc quand ils montent chez Dieu, ils nous protègent encore plus que quand ils étaient sur terre. Le Zohar nous dit que s'il n'y avait pas les prières des tzadikim dans ce monde-là ne pourrait même pas tenir un seul instant. Donc en réalité, tout notre mérite ici-bas, et le mérite de ce monde-là, il est là parce qu'à travers toutes les générations, nos grands justes, nos grands maîtres, nos grands tzadikim continuent à prier pour nous. On va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Dans les mondes supérieurs, qu'ils soient présents et qu'ils puissent agir et influencer nos mérites spirituels et nos mérites qui se trouvent auprès de Dieu, dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels, on veut bien l'accepter. Comment nous dire qu'ils se trouvent dans ce monde-là matériel plus vivant qu'ils ne l'étaient avant? Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Dans ce monde-là, dans ce monde physique. Le Admor HaZaken dit ici, je vais vous rapporter ce que j'ai reçu de mes maîtres.
Au moment où le tzaddik s'en va, il laisse de la vie à chaque être vivant. Est-ce que ça veut dire qu'il a abandonné le monde? Est-ce qu'il a abandonné tous ceux qui se trouvaient sur cette terre-là? Est-ce qu'il a donné de la vie que à ceux qui ont suivi ses enseignements? En réalité, c'est pas qu'il a laissé de la vie qui ne serait pas la sienne, mais c'est qu'il a laissé de sa vie à tous les existants et à tous ceux qui l'ont suivi pendant son existence. En tout cas, à tous ceux avec qui il a eu du contact et un contact. Il laisse de sa vie à lui, de ses mérites, il les laisse à ceux qui restent ici vivants. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un tzaddik, quand il vit ici sur Terre, ça n'est pas une vie qui est matérielle, ça n'est pas une vie de chair, c'est une vie spirituelle. C'est une vie qui est multiple. Nous l'avons Chaim au pluriel. Qu'est-ce que c'est sa vie ? Sa vie, c'est d'avoir la foi en Dieu. Sa vie, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Sa vie, c'est d'avoir l'amour de Dieu. Tous ces éléments qui l'influencent et qu'il donne à tous ceux qui le suivent, à toute sa communauté, à tous ses élèves, tout ce qu'il apporte à l'humanité tout entière, puisqu'on sait qu'un tzaddik influence l'humanité. Il n'influence pas juste son élève qui étudie ses enseignements, il influence toute l'humanité, puisque ses mitzvot, ses enseignements, sa Torah, ses prières sont là pour le monde entier, pour tous les éléments, minéraux, végétaux, animaux ou même humains. Comme il est dit déjà, et on verra ces trois éléments de foi, d'émouna, de ira, de crainte et d'ahava, d'amour, dans les textes. Comment est-ce qu'il a un lien direct avec ces trois éléments? Il est dit comme ça, v'tzadik be'emouna to'echye. Un tzadik, c'est par sa émouna qu'il vivra et qu'il fera vivre sa foi. La crainte, il est dit comme ça, v'ira tachem lechaim. La crainte de Dieu s'inscrit dans la vie. Ou be'ahava, et l'ahava, l'amour de Hachem. Il est dit, rodef tzedaka v'chesed imzachaim. Celui qui poursuit la justice et la bonté, la tzedaka, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Imzachaim, il trouvera la vie. Qu'est-ce que c'est maintenant l'amour? L'amour, c'est le chesed, c'est la bonté. La bonté véritable, donner pour donner, réellement. Le don, le partage, c'est l'intérieur même du chesed. Quand on dit que le chesed, c'est de la vie, la bonté, c'est la vie, c'est parce qu'en réalité, quand on aime, c'est une question de bonté. Quand on prend ces trois éléments-là, la foi, la crainte et l'amour, on a la jonction des trois éléments qui permettent chaim, la vie. Ces trois niveaux-là, ces trois traits de caractère, ces trois vertus-là, se trouvent dans chaque monde. Et dans chaque monde, il y a un niveau d'intensité, de présence de ces trois traits de caractère, de ces trois vertus. Chacune de ces facettes-là, de ces vertus-là, va se dévoiler, se développer en fonction du monde dans lequel elle se trouve. Chaque fois en fonction de la valeur et du niveau du monde dans lequel elle se trouve. Comment ? Par un lien de cause à effet, ce que l'on appelle le Hila ve'Aloul. C'est-à-dire que le monde supérieur, lui, va être là pour être une cause qui va engendrer, et c'est de lui que viendra le monde inférieur, qui lui est causé par cela et engendré par ce qui a été causé juste avant. Et automatiquement, celui qui vient après a aussi un impact, une influence sur le monde supérieur, puisqu'il va l'englober, qu'il va l'entourer. Chacun va avoir l'influence sur l'autre. Autrement dit, à chaque fois qu'un tzaddik il donne, chaque fois qu'un tzaddik donne et apporte et insuffle une énergie, quelque chose de positif, une intensité, une lumière à une personne, eh bien à ce moment-là précis, il est en train de lui donner un côté éternel, puisque lui aussi, il est nourri par ce que son élève va pouvoir produire et continuer d'influencer. Et donc, cet infini-là devient encore plus infini qu'il ne l'était, puisqu'en réalité, il prend toute sa place et il vit à travers cet infini-là. Il vit, il donne et il partage. Ce que la Gemara Zaken nous dit dans ce Tania du jour-là, ce qui va nous emmener sur vous rappelez la fin de notre dernier sujet, on a essayé de résumer un petit peu ce que voulait dire les Shvirat HaKelim. On va développer tout de suite ensemble. Si ça n'est pas encore fait, continuez à partager. Si vous êtes en live, en direct, eh bien, c'est parfait, commentez, partagez, likez. Si vous n'êtes pas vraiment en direct et vous regardez ça en replay, n'hésitez pas aussi à partager, à commenter. Vous pouvez vous inscrire sur notre groupe WhatsApp pour avoir tous nos rendez-vous. Un grand chazak et un grand merci à tous ceux qui partagent. Oui, c'est vraiment top de votre part. Et donc, on va continuer ensemble à développer les quatre niveaux qu'il y avait dans cette brisure-là de ces réceptacles.
Et on terminera avec ce sujet aujourd'hui en vous souhaitant un super Shavuot Tov, une super semaine. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse avoir le mérite de grand maître de la Chassidut avec nous et qui nous aide à comprendre, à percevoir, à enseigner et à comprendre chaque élément qu'ils ont essayé de nous faire passer, qu'on puisse se mettre à ce niveau-là, Bezrat Hashem avec l'aide d'Hashem, afin de vivre dans cette spiritualité, dans cette sainteté divine. Il y a donc quatre causes à cette Shvirat HaKelim. Nous avons déjà développé ensemble la première des causes. On va faire un petit rappel sur cette cause-là. C'est un petit peu comme une personne qui apprend une bonne nouvelle. Il apprend une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Ça le met dans un état de joie qui est tellement grand, en réalité, qu'il est tellement fort, tellement... Il ne sait pas comment réagir. Alors parfois, il va s'évanouir. Quand on apprend quelque chose, que ce soit de bon, de magnifique ou l'inverse, on ne sait pas, notre corps, notre esprit, nos émotions, nos capacités émotionnelles, parfois, ne sont pas en mesure d'accepter de recevoir les nouvelles que l'on peut entendre. On ne sait pas comment réagir, on n'est pas habitué. Le Rabbi Shimon Dovber l'explique de cette façon-là. Il dit, c'est comme une personne qui va s'évanouir. La raison pour laquelle il va s'évanouir, c'est parce que quand on reçoit une bonne nouvelle, il y a une nouvelle force de l'âme qui se révèle. C'est le dévoilement, c'est l'explosion ou l'implosion, en fonction de l'âme qui va s'exprimer à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'elle peut pas, elle ne sait pas comment gérer. Elle n'est pas en mesure de gérer ce qu'elle est en train d'encaisser quelque part. Elle n'a pas les outils. C'est un petit peu cette histoire-là qu'on raconte. En réalité, vous savez, c'est l'histoire d'un maître. D'un maître qui enseignait la Torah, qui avait une grande yeshiva avec plein d'élèves. Et cet homme-là, il avait aussi, Baruch HaShem, la possibilité d'avoir une parnassa. Il avait une parnassa, c'était quelqu'un qui gagnait sa vie, une grande société d'importation de bois. Ouais, une grande société d'importation de bois. Il se retrouve face à une situation terrible. Il est là, en train d'enseigner à ses élèves. Il travaille avec sa famille. Toute sa famille est dans le bureau d'à côté de la salle d'études. Et là, un matin, il se lève. Et il se rend compte qu'il y a une terrible nouvelle qui est arrivée. Quelle est cette terrible nouvelle ? Quelques semaines auparavant, on a proposé à ce grand rave, là, ce grand rabbin, d'investir dans un nouveau business qui se développait et d'y investir tout ce qu'il avait pour faire la plus grande affaire qu'il pouvait faire de son existence, d'acheter une quantité phénoménale de bois, importation de bois. À cette époque-là, comme maintenant d'ailleurs, le bois, on le fait voyager à travers les eaux, en bateau. Et donc, une quantité inimaginable de bois qui, bien sûr, représente tout l'investissement financier qu'il a pu mettre dans cet investissement-là. Et donc voilà que ce grand maître-là est là, étudié, enseigné à ses élèves, quand tout à coup, on apprend en réalité aux informations qu'il y a une tempête phénoménale et puis que ce bateau-là a sombré dans l'eau et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, plus de bois, plus de marchandises. Toute son opération financière dans laquelle il avait investi toutes ses économies ont disparu en un seul instant. En un seul instant. Toute la famille est là, ses enfants, ses amis sont là autour de cette yeshiva-là. Personne ne sait comment lui annoncer, ça passe aux informations. C'est une information qui est terrible. On se demande, mais comment est-ce qu'il va réagir? Il n'est pas tout jeune. Comment est-ce qu'il va prendre cela? Et on a peur de lui annoncer, on ne veut pas lui annoncer pour ne pas lui causer de peine, et surtout on a peur un petit peu pour sa santé. Chacun se pose la question, chacun se propose de dire telle ou telle chose, de présenter les choses de cette façon-là ou d'une autre façon, quand tout à coup il y a un élève de la yeshiva qui se promène et qui voit ça et qui entend ce qui se passe, il leur dit, vous savez, moi j'ai une solution. Il n'y a pas de problème, c'est ce que je vais faire. J'ai une technique, juste faites-moi confiance, vous allez voir, je vais lui annoncer les choses comme il faut. Magnifique. Cet élève-là prend un traité de Brachot, la Gemara du Talmud Brachot. Il va voir son maître, il rentre, il dit « Voilà, j'ai une question à vous poser, maître. » Il lui dit « Vas-y, mon fils, pose-moi ta question. De quoi il s'agit ?» Il lui dit « Voilà, il est dit dans les textes qu'un homme, il doit bénir Akadosh Baruch Hu et remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien comme pour le mal. » Il lui pose la question, il dit « Mais comment est-ce qu'on peut se réjouir et bénir et demander une bénédiction et remercier Hachem pour le bien comme pour le mal quand il nous arrive quelque chose de terrible ? Imaginez !» Imaginez, quelque chose de terrible arrive. Comment on fait ?
Alors le Rav lui a expliqué, et c'est ce qui est en rapport avec ce qu'on vient de dire ici, à savoir que quand on apprend quelque chose de terrible, de fort, on a une réaction émotionnelle qui est a priori en rapport avec ce que l'on a entendu. Et parfois nous n'avons pas le réceptacle pour recevoir ce que l'on est en train d'entendre. Il dit, je vais te dire une chose. Un homme dans la vie, il a été créé avec les émotions, avec son intellect. Ce qui a été dit ici dans la Torah, c'est qu'on doit bénir Dieu. Peu importe ce que l'on ressent ou pas, on doit bénir Dieu. Peu importe ce qui nous arrive dans l'existence, et bien Ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, que des choses positives. Dites Amen, écrivez-le. Mais si ce n'est pas des choses positives de manière visible, on doit quand même dire merci, parce que tout vient de Dieu. Donc peu importe ce qui t'arrive dans ton existence, si tu n'es pas capable de détecter, de déceler, de comprendre, de lire, d'interpréter ce qui est en train de t'arriver, tu dois dire merci à Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ok. Donc l'élève le regarde comme ça, il lui dit, mais imaginez, je vous annonce maintenant, ouais, que en réalité, tout ce que vous avez investi, votre opération là, est tombée à l'eau. C'est vraiment le cas de le dire. Qu'est-ce que vous ferez? Il entend ça, tout de suite, il s'évanouit. Ah ouais, d'accord. On le réveille, il le secoue. Et là, le grand maître se met à danser. Alors, l'élève lui dit, mais je comprends pas, comment ça se fait que vous avez réagi de cette façon-là? Il est dit qu'il faut bénir Dieu, et en même temps, on voit que vous avez quand même vécu quelque chose de terrible. Comment est-ce que vous ressentez ça en vous évanouissant et en même temps en dansant pour Dieu? Comment cette contradiction peut être réelle? Et la réponse que lui a faite, elle est magnifique. C'est qu'en réalité, nous vivons, nous, un être juif, nous vivons de cette façon-là. On doit vivre en réalité d'un côté, on est fait d'émotions, donc oui, on peut avoir un ressenti. Oui, quand il apprend une nouvelle terrible, mais son corps ne peut pas supporter ce qu'il entend, donc il va s'évanouir. Mais quand il se réveille, il se rappelle que c'est Dieu qui fait tout. Et puisque c'est Dieu qui fait tout, il se met à danser, et il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Donc il bénit Dieu pour tout ce qu'il lui a fait, même si ça a une apparence négative. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en réalité, quand il y a un message qui est trop grand pour le réceptacle, eh bien le réceptacle ne peut plus supporter cette lumière-là. C'est le principe même de... C'est le principe de Shvirat HaKelim, cette brisure-là de ces lumières. L'Echaim. N'hésitez pas à partager sur tous les réseaux, c'est très 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 important, vous avez un grand mérite. Un mot de Torah, c'est phénoménal. Ici, le Rabbi Shalom Dovber, il est en train de nous expliquer quelque chose. Il nous dit, ce trop-plein d'énergie, ce trop-plein de lumière, ne va pas laisser indifférent la personne qui va le recevoir. Il va y avoir une influence. Ce dévoilement-là va imploser dans cette âme-là et ne saura pas comment réparer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu donc sur Olam HaTikoun, ce monde-là de réparation dans lequel nous vivons, nous, qui est là pour raffiner, pour extraire, pour trier ces petits tessons, ces petits morceaux, de ces réceptacles-là qui proviennent du Tohu, du monde de Tohu, dans lequel tout est mélangé. Et dans ce monde-là qui est tout mélangé, on va extraire ce qu'il fallait. Maintenant, quand est-ce qu'on va réussir cela? Quand on va réussir à vivre dans un bitoul, dans l'abnégation la plus totale. Quand on réussit à vivre dans cette abnégation-là, et qu'on sépare ce qui est bon de ce qui l'est moins, eh bien on laisse la possibilité... À Dieu d'exister et à chasser un petit peu tout le mal. Vous vous rappelez qu'on avait dit que dans tous ces morceaux-là, il y a une petite trace de lumière. Bien que ce réceptacle et ces vases-là se soient brisés, on a réussi à laisser une petite trace de lumière, comme on l'a dit, comme une bouteille qui se brise et sur lesquelles on pourrait trouver quand même une petite trace du produit qu'il y avait sur les petits essons. C'est pareil, il y a cette trace-là de lumière qui est là. Et nous, en réalité, dans ce monde-là dans lequel nous vivons, on va faire ce travail-là, d'aller la chercher. La deuxième cause, c'est que dans ces réceptacles-là qu'il y a dans ce monde de Tohu, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très petits. Donc ils ne peuvent pas recevoir cette lumière de Dieu. On imagine bien, un petit réceptacle ne peut pas recevoir une grande lumière puissante. Donc ça se brise. Mis à part le fait que la lumière est intense, ils sont petits. Donc, et la lumière est intense... Et le réceptacle est trop petit. Et s'il est trop petit,
Ah, il ne peut plus accepter ce qu'on est en train de lui dire. C'est cette brisure-là qui vient et qui provient précisément parce que les réceptacles sont trop petits. Troisième raison, c'est parce qu'en réalité, il y avait une séparation. Quand on comprend la cause de cette séparation, on va comprendre la cause de cette brisure. Quand il y a différents éléments qui sont contraires l'un avec l'autre et qui ne se supportent pas l'un avec l'autre, c'est parce qu'en réalité, ils sont trop élevés, trop grands. Et tout cela vient de quoi ? De l'existence qui est ressentie. Donc le manque de place que peuvent avoir les éléments leur fait perdre de leur intensité, de leur présence. Et l'un dépend de l'autre. Le Rabbi Shalom Dovber nous l'explique comme ça et il dit. De la même manière que l'élévation qu'il peut y avoir d'un élément, c'est parce que son ADN, ce dont il est constitué, c'est quelque chose d'élevé. Et cela ne vient pas parce que lui, il est élevé, mais en réalité parce qu'il est un bon réceptacle pour recevoir ce que la force qui est au-dessus peut lui donner. Et donc, comme il donne de la place à chaque élément, il est relié de manière totalement naturelle à ce qui est plus bas que lui. Pourquoi ? Parce que ce qui est plus bas peut être influencé par ce qui est plus haut lorsqu'il y a une volonté de cela. Mais parce qu'il est annulé, parce qu'il est là comme un transmetteur, parce qu'il est là comme un outil qui est là pour transmettre, pour faire passer quelque chose de plus fort que lui. Dès l'instant où l'élément se sent exister pour ce qu'il est lui, alors il se crée comme par exemple, c'est comme un barrage. C'est-à-dire que l'élément devient il prend trop de place. Et donc le transmetteur sera beaucoup trop grand, il prend trop de place, donc il ne laisse pas la lumière ou l'influence se faire pour le niveau qui est plus bas. Autrement dit, plus j'existe quand je suis transmetteur, quand je suis là comme un outil de passage, de transmission, moins je peux laisser passer le message. Moins j'existe et plus je peux faire passer le message. C'est une grande, grande, grande leçon de Bitoul, d'abnégation dans notre existence, dans tout ce que l'on veut faire et exister. C'est comme dans l'éducation. Pourquoi souvent ça arrive qu'on a du mal à faire passer un message aux enfants ? Dans tous les domaines de la vie, c'est compliqué de trouver les mots qu'il faut. C'est le même principe. On est là pour leur donner quelque chose, leur donner une lumière, leur donner une direction de pensée, un conseil de vie. Et voilà qu'en réalité, on se rend compte que l'enfant, ça passe pas. C'est-à-dire que le réceptacle ne peut pas recevoir le message. Et dans le couple, c'est pareil. On a envie de dire quelque chose, on a l'impression de pas du tout se faire comprendre. La personne qui est en face, elle ressent, elle comprend complètement l'inverse. On n'est pas en phase, on comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste qu'en réalité, souvent, ça, c'est magnifique ce qu'on peut apprendre d'ici. C'est qu'il y a Shvirat HaKelim, en fait. Qu'est-ce que c'est Shvirat HaKelim ? C'est que ça se brise. C'est-à-dire que le réceptacle, la personne qui est en face et qui est censée recevoir ce qu'on a envie de lui donner, n'a pas les outils pour accepter ce qu'on est en train de lui dire. Si c'est un enfant, ben, on n'a pas trouvé les bons mots. Donc l'outil est là, puisque c'est nous. C'est celui qui donne le message. Mais le moyen de transmission, les réceptacles qu'on va utiliser ici, les mots, l'intensité, l'émotion, tout le mode de communication qu'on va utiliser ne sera pas le bon. Et comme il ne sera pas le bon, ben le message, quand il arrivera chez le receveur, il n'aura pas de place, il sera trop grand. Ou en tout cas, il ne sera pas du tout adapté. Et comme il ne sera pas adapté, ben il va y avoir une explosion. Et c'est la raison pour laquelle on le voit même clairement chez les hommes, c'est ce qui se passe. Un enfant qui ne comprend pas ce qu'on est en train de lui demander, il va exploser. Ou en cri, ou en pleurs, ou en s'énervant, ou en se renfermant, une épouse ou un époux qui ne comprend pas le message de son conjoint va aussi souvent réagir de cette façon-là. Parce qu'on ne supporte pas. On ne supporte pas les messages, on n'accepte pas parce qu'on n'a pas les outils pour comprendre ce que la personne qui est en face veut nous dire. Alors ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas dire du tout qu'un maître, qu'un enseignant, ou qu'un homme, ou qu'une femme, ou qu'un père ou une mère face à ses enfants, il n'y a pas d'amour, pas du tout, c'est indépendant. Et parfois, malheureusement, on prend tout en même temps, on mélange et on pense qu'en réalité, le fait que je n'ai pas pu recevoir et comprendre ce que la personne qui était en face était en train de me dire, ça prouve qu'en réalité, il y a un manque d'amour ou de respect ou d'attention ou d'affection, etc. Alors que c'est totalement faux. C'est juste qu'on n'a pas utilisé les bons outils. Et là, on nous dit quelque chose de magnifique, de merveilleux. Que tout dépend en réalité d'une seule chose. Ce qu'on appelle le bitoul, l'abnégation, l'annulation. Être capable de se mettre totalement de côté. De se dire, je n'existe pas pour ce que je suis moi, mais pour ce que je suis en train de transmettre. Si je ne deviens que cet outil-là de transmission,
que ce réceptacle-là, qui en réalité n'existe pas pour ce qu'il est lui, mais parce qu'il est transmetteur, parce qu'il est donneur, alors le message, il va passer et il n'y aura plus du tout de brisure. Et là, à ce moment-là, le message, il peut passer, il peut être ressenti. Celui qui va le recevoir comme il doit le recevoir et de la meilleure des manières. Oui, de la meilleure des manières parce que c'est ce qu'on en attend. C'est ce que l'on attend, c'est ce qui nous permet d'arriver à la perfection la plus totale. Le fait de donner de la place l'un à l'autre, le fait de donner de l'existence l'un à l'autre, l'un pour l'autre. Alors qu'Hachem fasse qu'on ait la possibilité, qu'on ait le mérite de devenir juste des outils de transmission, voilà, d'être là pour donner, pour partager, et faire en sorte que notre message soit toujours entendu comme il doit être entendu, qu'Hachem vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence, votre semaine qui démarre maintenant de beauté, de sérénité, de paix, de joie véritable, que vous puissiez avoir une bénédiction dans votre matérialité et dans votre spiritualité, une super parnassa, une excellente santé pour tous vos proches, et qu'on puisse véritablement vivre Mashiach très rapidement, et qu'on étudie notre prochain cours sur l'esplanade du Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu à Yerushalayim reconstruite. Je compte sur vous, vous êtes la force de ce cours-là, donc transmettez, partagez, likez, commentez, et que Dieu vous bénisse. On termine en musique. Oh, Shavua tov lekulam, et à très 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 bientôt.